Il m'a fallu avoir du courage pour m'amener ici. Parce que j'ai parcouru avec plein de haine. Jeffrey Papatzi a partagé son histoire d'abus et de douleur, car c'est un survivant des écoles de jour de la nation Anishinaabe du Lac-Simon, devant un auditoire de prêtres, d'évêques et d'autres membres de l'Église catholique. Pour de nombreuses personnes présentes, c'était la première fois qu'elle écoutait l'histoire d'un survivant. Parce que je sais qu'en sortant d'ici, je me sentais bien. Papatzi est sobre depuis plus de 16 ans. Il a déclaré que le fait de dire sa vérité dans le sous-sol d'une église constituait une nouvelle étape sur la voie du rétablissement et de la guérison. Ce moment était si important pour lui, à tel point qu'il a amené sa femme et son jeune fils. Dès l'âge de 13 ans, j'ai subi des choses qui n'étaient pas correctes par un faux prêtre. Le survivant a expliqué aux personnes présentes qu'après avoir été abusé durant son enfance par un prêtre, il avait vécu sa vie dans la honte et la peur. Ici, pour encore plus me libérer des choses à l'intérieur avec moi, puis envers moi-même, parce que c'est des choses que j'ai gardées trop longtemps, depuis 38 ans, de silence. Ça fait 3 ans que j'ai réussi à en parler encore plus loin de mon enfance, depuis l'âge de 13 ans, tout ça. Fait que là, moi, j'ai pensé à moi-même de continuer à prendre soin de moi-même dans mon cheminement. De plus, Papatzi a raconté qu'il a passé des décennies à travailler sur lui-même, en ajoutant qu'au début, il était incroyablement difficile de parler de son expérience à l'école de jour. C'est pas facile de demander pardon à quelqu'un ou quelqu'un qui vient te pardonner, mais il y en a qui me l'ont fait avec moi, ceux que j'ai fait mal, ceux qui m'ont fait mal. J'ai demandé pardon à soi-même, surtout en premier. Là. Le concept de pardon est ce que Papatzi vient d'offrir sur le chemin de la réconciliation. Marilyn Roy, coordonnatrice de la mission catholique Notre-Dame de Fatima à Coujouac, a déclaré que les paroles de Jeffrey Papatzi l'avaient profondément touchée. C'est sûr que moi, c'est une question qui me travaille depuis longtemps, d'une manière particulière depuis 7 ans. Ça a été une question que j'ai portée au quotidien. Je dirais qu'en tant qu'alloctone, je trouve qu'un chemin, en tout cas, favorable à cette réconciliation-là. Roy a ajouté qu'il était nécessaire d'écouter les récits des survivants et d'y trouver un écho. Gilles Lemay, évêque émérite de Trois-Rivières, a déclaré qu'il ne s'attendait pas à ce que l'histoire de Papatzi soit aussi personnelle. La nécessité de la réconciliation, elle est réelle. Je ne m'étendrai pas trop là-dessus. Pour les survivants qui luttent encore contre leur traumatisme, Jeffrey Papatzi déclare ce qui suit. Je suggère juste d'avoir du courage à l'intérieur, de se libérer des choses qui ont mal. La ligne d'écoute d'espoir pour le mieux-être apporte une aide immédiate. Pour rejoindre la ligne d'écoute, composez sans frais le numéro à l'écran. Marie-Céla Amador, Nouvelle nationale d'APTN, Trois-Rivières.